C'est là la ville où le soleil se lève? Non, c'est encore loin. Je serai un adulte quand on arrivera. Tous les Mongols deviennent adultes pendant qu'ils avancent. Tant que nous sommes vivants, nous chevauchons jusqu'à notre mort. C'est quoi la mort? Ah, quand on arrête d'avancer, on est mort. Et pourquoi on va toujours dans cette direction, grand-père? C'est là que sont nos ennemis. Ceux qui ont massacré notre caravane de marchands. Pour cela, notre créateur réclame vengeance, demande qu'on les punisse. Quand je serai grand, je combattrai vos ennemis. Un ennemi, il faut le pourchasser et détruire les murs de ces villes pour que l'herbe repousse et que les chevaux galopent librement. Naya! Relève-toi, Naya! Gorka. Ouvre les yeux! La peste, reculez! Ne tombez pas malade! Naya! La peste décima la grande armée de l'Ouest. Quand Naya, le commandant de la garde, mourut, le Grand Khan s'inquiéta de sa propre mort. Grand Khan, votre médecine. Tant que mes ennemis seront vivants, je vivrai aussi. Yelv Sukai m'a demandé de vous dire que l'enfant a peut-être la lèpre. Il doit être séparé de la reine. Non! Il est arrivé au mauvais moment. Ses pleurs affaiblissent mon cœur. Allez lui trouver une bonne famille. Avec la bénédiction du ciel, il survivra. Et il deviendra un grand homme. Ma reine. Longue barbe, penses-tu que je suis vieux? Je suis vieux, c'est vrai, mais il me reste une longue route à parcourir. Rien ne pouvait arrêter la course du Grand Khan vers l'ouest. Ni la peste, ni aucune maladie ne le freinait. Son garde, Naya, mourut. Je reçus pour mission d'amener son sabre au grand moine taoïste. Le sage du printemps éternel, Kyushuji. Sa réputation traversait les frontières, et il était connu de toutes les plaines de l'Est. J'espérais qu'il dissiperait les craintes du Grand Khan sur sa propre mort. Nous avons chevauché jour et nuit vers le soleil levant. 13 chevaux moururent de fatigue sous mes jambes. Mais après 3 saisons, je finis par atteindre le légendaire océan. Yeah!
Qui vient? L'envoyé de Genghis Khan, Liu Zhongluo. Le Grand Khan a demandé que le Maître Q enseigne au Grand Khan la voie. Où se trouve le Grand Khan? Il se dirige vers l'ouest et campe actuellement en Khorasmie. Mon sage maître est à un âge avancé. Nous déclinons respectueusement. Halte! Ne leur donnez que le nécessaire. Gardez l'eau pour les gens qui vivent en bas de la montagne. Montre-nous ton maître! Messieurs, c'est moi que vous cherchez. Laissez-le partir. Écoute-moi, vieillard. Je cherche le sage du printemps éternel, Qiu Shuji. Et je vous dis que je suis le sage Qiu Shuji. Oh. Maître, acceptez mes excuses les plus sincères. Je viens m'enquérir de la santé de Maître Qiu, incarnation de la voix en parfaite harmonie avec tout ce qui vit dans et sous le ciel, dont la sagesse dépasse tout savoir, dont le nom surpasse toute renommée, caché dans les ombres et les vallées pour méditer longuement. Je charge le général Liu de prendre escorte et chariot et de réclamer que vous retardiez votre quête de l'immortalité pour m'enseigner la voie sans que rien ne vous perturbe. Ainsi, je l'ordonne. Genghis Khan. La faveur que me fait le Grand Khan est bien trop honorable pour un vieillard comme moi. Quand pensez-vous partir, maître? Votre escorte est prête. Je ne puis répondre. Seul le ciel le sait. Excusez ma sottise, mais je voudrais des précisions. Wendang connaît une sécheresse atroce. Je prie pour que ça cesse. Quand le ciel fera pleuvoir sur la terre et sur les hommes, je partirai avec vous à l'ouest, sans aucune protestation. Les ordres du Khan ne se discutent pas, et vous le savez. Vous avez eu pour arriver ici une très longue route. Reposez votre animal. Maître! 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 Un émissaire Jin vous réclame à la capitale. Maître, Song envoie une ambassade et réclame votre présence auprès du roi Luo Yang. Dites à ces ambassades que la sécheresse détruit les hommes et les cultures. À moins qu'ils ne soient venus m'offrir un fleuve, je ne les recevrai pas. Mais... Grand Khan, vos pieds sont très froids. Mon sang circule mal, Weilun. Ces derniers jours, je ne fais que rêver de la mort. Je crois que je suis vieux maintenant. Je suis vieux. La mort viendra me prendre. Grand Khan, vous n'êtes pas vieux. Grand Khan, vous ne le serez jamais. Vous avez fait un long voyage. Vous êtes fatigué, juste fatigué. Qu'importe la distance de ce chemin, je ne peux arrêter. Weilun. Si tu restes à mes côtés, je ne vieillirai jamais. La femme du Grand Khan était la seule à pouvoir le comprendre. Elle veillait sur lui comme sur un enfant et l'écoutait comme un maître. La femme du Grand Khan était aussi précieuse que sa vie. C'est quoi, ça? Général, regardez les nuages. S'il pleut, le maître viendra. Le ciel n'est rien face au Grand Khan. Ses ordres ne se discutent pas.
J'irai à sa place, quoi que le Grand Khan veuille. J'y pourvoirai sans question. On ne vous a pas convoqué. Le maître, oui. Sans le maître, nous mourrons de la sécheresse. Alors tuez-nous tous maintenant. Oui, tuez-nous tous jusqu'au dernier. Massacrez-nous ! Défiez le Grand Khan. Et c'est ce qui vous arrivera. Par qui je commence ? Une bête a été vue, qui nous a crié de retourner à l'est. C'est ce que l'on raconte. Longue Barbe, l'as-tu vue ? L'homme qui l'a vue est votre serviteur, Batu, ainsi qu'Adaei. À vous, ils n'osèrent pas le dire, mais à moi, oui. Je vous rapporte leurs propos. Et tu les crois ? Vraiment ? Oui, je les crois. Ils affirment que la bête a parlé. Je veux l'entendre de la voix de ces hommes. Approchez. Majesté, je ne suis qu'un scribe. Je ne saurais les fouetter. J'en serais incapable. Grand Khan, si quelqu'un doit être fouetté, que ce soit moi. Ils ont menti sur mon ordre. Grand Khan, nos hommes meurent de la peste. Ils sont tous loin de leur famille. C'est pour cela qu'ils ont menti. Ils ne méritent pas ça. Le Grand Khan ne méprise rien de plus que les menteurs. Or, à chacune de ses oreilles, il avait entendu une histoire différente. Ce jour-là, j'ai parlé de vous au Grand Khan, et il les a pardonnés. Puis il fit venir son scribe et fit écrire l'ordre que je vous ai lu au temple. Quant à moi, il me fit traverser la terre pour vous chercher. Le Grand Khan va me prendre mes dernières années. Reculez, maître! D'après la légende, vous avez 300 ans. Vous êtes un vrai sage. Parce que je vis dans cette montagne depuis si longtemps avec les loups et les tigres. Nous sommes mis d'accord pour nous laisser en paix. Vous n'avez pas répondu. Quand serez-vous prêt à partir ? Allez, finissons d'abord de boire. Si vous ne venez pas, ce sera ma vie. On ne refuse rien à la volonté du Grand Khan. Et le sang dans mes veines ne coule que pour lui. Le respect de la voix est vertueux. La voix crée toute chose et drape toute chose de vertu. La voix est séparable autant qu'inséparable. Elle n'a pas de fin, pas plus que de commencement.
pleurer ne sert à rien. Soyez plutôt heureux pour moi. Mon voyage consiste à propager la vertu de la voix. Quand il partit à l'ouest, Lao Tse avait 70 ans. Je prends son chemin. Emmenez-nous avec vous, maître. Je fais un long voyage, et je n'en verrai peut-être pas le bout. Peut-être mon corps seul atteindra ma destination. Je suis vieux. Vous êtes tous jeunes. Restez ici et contemplez le mont Kunyu. Je pars. Bonne route. Je suis prêt. En avant! Cette escorte appartient au Grand Khan lui-même. Écarte-toi, dégage! Cercueil. À qui l'as-tu destiné? Vous allez faire un très long voyage. Si vous ne faites pas le trajet avant une année, le cercueil sera pour vous. Et il sera pour moi si je ne peux vous accompagner. Quel dommage. Oh! Arrêtez ça! Reposez-vous! Hé, jeune homme. Oui? Comment sais-tu que le maître est là? Moi?
C'est moi qui lui ai dit. Toi, mets de l'eau fraîche dans la chambre du maître. On annonce sa visite dans tous les coins. Des voyageurs m'ont dit, il y a un mois, que Gengis Khan voulait voir le maître. Et il faut forcément passer par là. Maître, bienvenue. Par ici. Hé ! Qui sont ces gens ? Aucune idée. Hein ? Comment ça, vous ? Ici, c'est une auberge. J'accepte tout le monde. Je n'ai peur de personne. Pas comme certains. Que venez-vous faire? Je vous tiens compagnie. Ceux dont la voix montre le chemin ne sont pas aveuglés par les affres du désir. Votre route n'est pas la mienne. Emmène-moi. Je veux partir avec toi. Puisse le ciel m'être témoin. Pour aller où? Au camp de Gengis Khan. Mon mari est dans l'armée. Je sais bien que le maître se rend là-bas. C'est pour ça que je l'attends. Les femmes ne sont pas admises. Je serai votre messager. Il m'a écrit une lettre il y a un an. Il veut me voir avant de mourir. Puis-je voir cette lettre? Protéger le chargement à n'importe quel prix!
coup du poing volant. C'était bien ça, non? J'ai eu peur que vous la violentiez. Un peu d'arts martiaux. Est-ce que tu connais le mont Kunyu, vieil homme? J'y ai habité. 46 ans. Tu connais Danyang? Vous voulez dire... Ma Danyang, le maître de jade. J'ai appris avec lui. Maître Ma vient du même village que moi. Les aléas de la vie m'ont fait prendre ce chemin. Cette femme est belle et gracieuse. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'épouser? Je ne comptais pas lui faire de mal. J'ai longtemps entendu parler de la force du sage du printemps éternel. Et je le vois de mes propres yeux. C'est un grand honneur. Tu ne te trompes pas. Je suis bien Qiu Chuji, le grand sage. Tous ceux qui viennent ici connaissent votre vertu. Je vous demande pardon. Pas la peine. Libérez mes amis et ça ira. Détachez-les! Maître, je prie pour escorte. Je vous en prie. Emmenez-moi avec vous vers l'ouest. Je serai à votre service. Utilisez-moi comme bon vous semblera. Aidez-moi, je vous en prie. Je ne peux pas vous aider. Ma main n'est pas guérie. Faites-lui réparer ça tout de suite. Tu n'aimes pas? Si ça plaît au grand Khan, ça me plaît. C'est juste... un peu large. Tu as maigri. Oelun, ma chère femme. J'aime regarder ton visage plein de vie, te voir porter de beaux vêtements, te voir monter le plus bel attelage du monde. Dis-moi ce que tu désires. Je désire servir en tout point le grand Khan. Je ne veux rien d'autre que passer ma vie à le suivre. Il y a une chose, nos grandes steppes me manquent. L'odeur de notre chez nous. Doucement, pas à pas, à travers la neige, le désert, la pluie et le vent, Qiu Chuji me demanda de lui parler du grand Khan. Il voulait tout savoir sur lui, à l'exception de ses exploits de guerre et de ses nombreux morts. D'où viennent ces cris ? J'ai peur que le vent ne vous joue des tours, maître. Non, des pleurs viennent de cette direction. Votre armée les a massacrés.
C'est le ciel que j'entendais pleurer. Dites à vos soldats d'enterrer tous ces gens. Il y en a trop, c'est impossible. Enterrer des hommes est plus facile que les tuer. Mais enfin, maître! Ceux qui suivent la voie enterrent toujours les morts. Maître! Soldats, pensez-vous aller contre la voie? Je vais m'asseoir un peu. Et je ne me lèverai pas tant qu'ils seront sous mes yeux. Enterrez-les. Je n'ai pas peur d'arrêter ma route. Où est le sage du printemps éternel? Grand Khan, Kyushuji a atteint les steppes de Mongolie. Si nous poursuivons vers l'ouest, dans 6 mois, peut-être moins, ils n'arriveront plus à suivre. Il faut envoyer une escorte. Tout d'un coup, je me suis senti léger comme une plume. Comme si je flottais dans un calme absolu. Je ne pensais pas me retrouver ici, en rouvrant les yeux. On a besoin de vous. Si le ciel me garde ici, il a une mission pour moi. Et j'ai peur qu'il ne me reste ni force ni volonté. J'ai peur de décevoir le ciel. Ne dites pas ça. Je continuerai votre œuvre. Depuis combien de temps dure notre voyage? Un peu plus d'un an. Réponds-moi, si je meurs sur le chemin, continueras-tu le voyage à ma place? Oui. J'en étais certain. Apportez la planche! Le grand Khan a ordonné à l'orfèvre de faire la plus belle ceinture du monde. Essayez-la. Tu as dit que tu étais orfèvre? Oui. C'est vrai, mais ma main est blessée. Tu t'es mutilé toi-même. Tu crois qu'on peut me mentir? Imposteur! Comment oses-tu mentir au grand Khan? Debout! Allez, debout! Plus vite! Ok,
Reculez! Reculez! Attendez! Je n'ai qu'un cercueil avec moi. Je ne pourrai pas m'en occuper. Maître, vous l'avez vu! Ces hommes ont essayé de nous tuer! Si nous ne le faisons pas, ils nous suivront pour se venger. Et si nous les emmenons comme prisonniers, nous n'aurons plus assez à manger. Si vous les tuez, vous attisez leur vengeance. Les gens meurent. Pas la colère. La colère se nourrit de haine et se transmet aux enfants. J'ai des ordres à appliquer. Je fais mon travail. Tuez-les! Vous massacrez parce que vous avez peur. Je n'ai peur de rien. La peur est la peur. On ne peut la déguiser. Rien n'offense plus le ciel que la peur. Votre mission pour le Grand Khan n'est pas de tuer. Laissez-les partir. Et le ciel bénira votre mission. Si vous refusez, je vous empêcherai de l'accomplir. Réfléchissez.
Vous n'avez pas beaucoup le choix, à vrai dire. Regardez. Je lui ai donné toutes mes bêtes pour nourrir son armée. Je n'ai absolument rien demandé en échange au Grand Khan. Il m'a cependant promis de m'offrir une ville, une de celles qu'il allait conquérir. Et voilà, il a tenu sa promesse. Regardez-moi ça. Puis-je vous demander où se trouve le Grand Khan ? L'invincible Grand Khan a conquis Samarcande. Il se dirige à l'ouest. Oh, vous avez une belle descente. Dis-moi pourquoi je me sens si seul avec toi. Tu me détestes. Je n'ai pas envie que tu attrapes la lèpre et te perdre. Je te veux avec moi quand j'atteindrai les villes du soleil couchant. Grand Khan, une lettre urgente de Kyushuji. Monseigneur, Otrar tremble. Ils ont accepté de se rendre. La lèpre fait des ravages. Nos pertes sont immenses, Grand Khan. Peut-être devrions-nous nous reposer ici. Où en est Kyushuji ? Il est arrivé de la ville de Shingai. Il vous informe qu'il n'ira pas plus loin et vous demande de le rejoindre là-bas. Longue barbe. Écrivez que je n'irai pas, que je l'attends ici. Après avoir reçu la lettre du Grand Khan, il me fallut beaucoup de persuasion pour convaincre le maître de reprendre la route. Nous avons croisé des réfugiés affamés dans les montagnes. Le maître préféra souffrir de faim lui-même et fit distribuer notre stock de nourriture. Il ne restait plus rien. Ne donnez plus rien! Si on ne peut plus manger, comment allons-nous avancer? De voir ces hommes mourir, c'est au-dessus de mes forces. Maître! Maître! Maître!
manger. Il refusa de se nourrir. Pas le moindre morceau de viande séchée. Il disait sentir le sang sur la nourriture qu'on lui proposait et préférait mourir à manger cela. Quand je l'ai vu s'évanouir, je perdis tout espoir. Maître! 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 Réveillez-vous, maître! Fais-le manger! Je le veux en vie! C'est à cause de vous qu'il meurt! Allez en enfer, vous et votre canne! Tu vas le payer! Arrêtez! Si vous voulez sauver le maître, suivez-moi alors! C'est un don du ciel. Le maître est sauvé. J'ai beaucoup trop saigné. Tu ne pourras pas m'aider. Ne perds pas tes forces. Tu peux m'octroyer une faveur? Genghis Khan a demandé à voir mon maître. Pour ces pilules légendaires d'immortalité. Ces pilules sont dans... Ne soyez pas triste. Je demanderai à certains de mes hommes de ramener son cercueil au temple. Il a atteint l'immortalité. Enterrez-le ici, ça suffira. Votre réputation vous précède, maître. Je vous rencontre enfin. À votre âge, grand maître, le voyage a dû être compliqué à réaliser. J'envie la puissance de votre âme. Cher seigneur Yelv, je vous salue. Un voyage plaisant et facile est une chose rare. Le grand Khan vous attend avec impatience. Permettez-moi d'être votre interprète devant le grand Khan. Grand maître. Oh,
Maître Tu rend visite au Grand Khan. Il ne devrait être en aucun cas dérangé par personne. Maître, agenouillez-vous. Grand Khan, n'en prenez pas ombrage. Je ne m'agenouille que devant le ciel. Que devant le ciel. Comme tous les sages qui suivent la vertu de la voie. Comme le font les sages de la voie. Qu'importe. Apportez aux sages du vin et de la viande. Que sur tous descendent santé et prospérité. Voici devant vous les bienfaits du Créateur du ciel bleu. Prenez part et partagez cette chèvre grillée en votre honneur. Le Grand Khan vous bénit par la grâce et l'abondance de son empire. Bénédiction ! Bénédiction ! Grand Khan, je vous remercie. Je vous remercie. Mais... Seulement... Ceux qui pratiquent la voie... Les sages de la voie... Ne se nourrissent pas de chair. Ne mangent pas de viande. On m'a dit que vous aviez 300 ans et que votre réputation traversait la Terre. Vous avez 300 ans. Je vous appellerai saint. Peut-être... dois-je vous avertir... Il veut vous prévenir... Avant ce voyage de 2 ans, j'avais 72 ans. Que 74 ans. Je veux savoir... Il souhaite... S'il a apporté ces fameuses pilules. L'immortalité. L'immortalité vient de la voie. Il n'y a donc pas de médicaments. Grand Khan, j'ai peut-être mal compris. Je ne peux traduire. Tu as tout compris. Et moi, je comprends tout dans son regard. Il ne possède aucune médecine pour l'immortalité. Le maître a dit que seule la voie lui aidait à prolonger sa vie. Personne ne s'attendait à une telle réponse de la part du maître. Il n'y a rien de plus terrifiant que le silence du Grand Khan. Je le suivais le plus près possible, sentant le vent me gifler le visage. Les pilules, maître, pourquoi ne pas lui avoir donné? Jette-les. Détachez-le! Détachez-le! Libérez-le! Il me fait dire que vous êtes quelqu'un d'honnête, un vrai saint. Le Grand Khan ordonne que le grand saint ait une tente près de la sienne. Le Grand Khan a dit qu'il allait suivre la voie. Grand Khan, vous venez des grands déserts du Nord. Là où vit le soleil. Là où vit le soleil. Mais où l'eau est très rare. Mais où l'eau est très rare. Vous l'avez peu. Vous l'avez peu. Vous avez tué pour venir jusqu'ici. Pour venir jusqu'ici. Sans prendre un bain. Sans prendre un bain. C'est ça qui donne des maladies. Qui donne J'ai des vu maladies. Aussi beaucoup de cadavres pourrir sur le chemin. Ainsi, les cadavres. La lèpre se répand. C'est comme ça que la lèpre se répand. Comment stopper l'épidémie? Dites à vos soldats de laver leurs vêtements. Les soldats doivent laver leurs vêtements. L'eau purifie toutes choses, c'est ainsi. L'eau purifie. Faites cela.
Faites ce qu'il dit. Distribuez ces herbes aux hommes. Et distribuez ces herbes. Vous verrez que la lèpre reculera. La lèpre reculera. L'eau est un don divin pour nous, les Mongols. Sacré pour les Mongols. Elle est la vie et ne doit être profanée. Ils ne l'utilisent. Elle fait croire toutes choses et nourrit tout sous le ciel. Elle ne peut être gâchée. Est-ce que vous comprenez ? En effet, vous avez raison. Il dit que vous avez raison. L'eau est un cadeau du ciel. L'eau est un don du ciel. Nourrissant toutes choses, c'est un don. C'est l'élément le plus doux et le plus simple qui existe. Le plus simple qui existe. Elle lave les blessures et les maladies. Elle est source de vie et maintient la vie. La vertu imite l'eau en tout point. La vertu et l'eau sont identiques. Grand Khan. Tout le monde sait que vous chérissez la vie de vos hommes. Vous aimez vos hommes. Votre vertu est comparable à celle de l'eau. C'est comme ça que la voie préserve la vie des hommes ? Oui, ça et l'hygiène. L'hygiène également. Essayer ne coûte rien. Je m'attendais à ce que vous n'ayez pas de potion d'immortalité. Pas de tels médicaments. Si elle existait, je boirais déjà le thé avec Qin Shi Huang et l'empereur Anyu. Mais puisque vous savez qu'il n'existe rien de tel, pourquoi avez-vous accepté ce voyage ? Qui refuserait l'invitation du Grand Khan ? Il ne pouvait refuser. Si je ne me trompe pas, il n'y avait aucune référence à une potion. Je m'en serais souvenu. Longue barbe, il a raison. Grand Khan, j'ai écrit ce que vous m'avez dicté. J'ai aussi entendu que les Jin et les Song demandaient à vous voir. Vous avez été invité à leur cour. Ils ne privilégient que leur vie. Ils veulent sauver leur propre. Pas les souffrances de leur peuple. Ça va à l'opposé de la voie. Le ciel m'a mené vers vous. Le ciel l'a mené vers vous. Dites-moi, comment est-ce que le ciel vous parle ? Si on respecte le ciel, on ne peut oublier l'émerveillement qu'il inspire. Le Seigneur du ciel, m'envoie des signes. Lui envoie des signes. Et me dit ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Je suis venu ici parce que j'ai une mission à accomplir. Je suis venu malgré la distance. Préparez l'aiguille. Même si vous me soignez, ils me tueront quand même. La vie est comme une fleur qui éclot et se fane. Elle ne dure jamais. Même si tu meurs demain, aujourd'hui, je peux calmer tes souffrances. C'est en mon pouvoir. Pourquoi m'avoir sauvé ? Vous voulez que je meure dans leurs escouades suicides ? Je ne veux pas vivre ! Je veux mourir ! Récupère ton cœur que t'as volé l'enfant. Demain, je t'emmène à la chasse. Tu as toujours aimé ça. Après 6 mois, le Grand Khan partit chasser. Kyushuji s'était installé et se sentait chez lui au camp. Il dit toujours que tout sur Terre a une vie, une âme.
Il dit que sa vie respecte cette vérité. Un jour, je suis allé chasser avec le grand Khan et je lui ai répété les mots du maître. J'ai entendu que vous aviez prévu l'éclipse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien la vérité ? Oui, bien que mes connaissances astronomiques ne valent celles de Chukai. Il dit qu'il n'est pas aussi bon que Chukai. Vous êtes vraiment un saint. Vous êtes un saint, Grand Khan. Nous, les Mongols, vivons sur nos chevaux, même en dormant. Les Mongols vivent sur leurs chevaux. Pourtant, nous ne tombons jamais. Ils y dorment. Mais ce qui jamais. Est arrivé aujourd'hui est bien étrange. Ce qui s'est passé est étrange. Le plus étrange, cependant, c'est qu'une bête sauvage... Le plus étrange, c'est que le sanglier... ...tue toujours un homme quand elle le peut. Surtout si elle est blessée. Khan. Il m'a regardé et puis rien. Alors le roi du ciel vous a fait protection. C'est le roi du ciel qui vous protège. Il n'a pas permis que l'animal vous blesse. Et pourquoi me protège-t-il ? Pourquoi ? La pitié... Le ciel vous a pris. Et la nature de toute chose. Le ciel vous délivre un message. C'est un message du ciel. En tuant moins, vous allongez moins, votre vie. Fait vivre plus. Vous avez fait tout ce chemin juste pour me dire ça ? C'est ça votre enseignement ? Ça ne mérite pas une telle route. Le ciel... Le ciel... loue la pitié et souffre de la mort. Et souffre de la mort. Grand Khan, obéissez au ciel. Grand Khan, obéissez au ciel. Ensuite, le ciel vous récompensera. Et vous serez récompensé. Vous parlez de Tengri, vous le ciel bleu ? Vous parlez de Tengri, le créateur des Mongols ? Tout à fait. Je parle du ciel. En effet. Où réside Tengri ? C'est le même ciel. Je vous crois, grand saint. Seulement, mes ennemis doivent le mourir. Le grand Khan vous entend, mais ceci est la règle. Doivent être punis. Voilà. Aucun os n'est brisé. Il n'y a pas de Dans fracture. Quelques jours, vous remarcherez. Vous marcherez J'ai fini. Bientôt. Je vous appelle grand saint parce que vous êtes un saint. Vous êtes vous prolongez la vie qui est le vrai don du ciel. Parce que vous Et vous me soignez. La vie qui est un don du que ciel. Puis-je faire pour vous remercier ? Comment vous remercier ? Plus de massacres. D'ici. Ils m'ont mis avec les chairs, ceux qui foncent sur les murailles avant l'attaque. S'ils réussissent, ils ont le droit de vivre. S'ils reculent, ils sont décapités. De toute manière, je suis prisonnier. Je vais mourir. Je vais venger ta mort. Et je mourrai ensuite. Ils se sont rendus. Mais leur or et leurs bêtes ne sont pas arrivés. J'ai entendu dire qu'ils gagnent simplement du temps pour recruter plus d'hommes et vous combattre. Père, laissez-nous attaquer leur ville. La lèpre commence à peine à reculer. Et nos soldats ont le mal du pays. Si nous attaquons, nous allons attirer les malheurs. Rayez Otrar de la face du monde. Thank you.
fils. Réveille-toi. Fils. Docteur. Docteur. Amenez le docteur. Fils. Docteur. Où est-il? Le grand Khan ne mange plus. Il est là depuis un jour et une nuit. Il souhaite rester seul. Je voulais simplement lui dire au revoir. Je n'ai pas apporté les pilules d'immortalité. J'ai parcouru 39 000 lieues pour lui parler, mais il ne m'a pas écouté du tout. J'ai été idiot. À 19 ans, j'ai commencé à apprendre auprès de Wang Chongyang. Pendant 19 ans, j'ai attendu d'atteindre la vertu. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Je suis un vieil homme. J'ai déçu le grand Khan. Dans le monde des mortels, nos vies sont courtes, et pourtant notre chemin est long. Avant que je parte, j'ai fait les lignes de mon destin. Il me reste un peu moins de 300 jours à vivre. La vérité, Grand Khan, c'est que je ne pensais pas finir le voyage en vie. Je ne savais pas que je vous rencontrerais. Mon apprenti avait préparé un cercueil pour moi. Mais il est mort pour me sauver. Il était le meilleur, et il m'avait prévenu. Il ne voulait pas que je fasse le voyage. Je ne l'ai pas écouté. Je n'étais plus moi-même. Je sentais ce besoin
devenir. Je sentais en moi comme une force. Cette force me poussait à prendre la route. Je pensais que c'était le ciel, et qu'il me laissait vivre pour vous rencontrer. Je croyais à un message. Si elle a gâché sa pitié en me l'offrant. Si je ne peux pas vous convaincre de ne plus tuer, la vie d'un homme devient du simple hasard. Tout meurt sous le ciel. La voix seule est éternelle. La voix transporte le cœur de tous les hommes. Elle est universelle. Grand Khan! Votre créateur, Tengri, et mon seigneur du ciel ne sont qu'un seul! Tous deux admirent la vie et abhorrent la mort! Général Liu, nous avons voyagé ensemble. Vous me comprenez? Dites-le au Grand Khan, dites à votre Grand Khan que je comprends la rage et la colère qui emplissent son pauvre cœur. Je suis vieux. Et je ne peux rien y faire. J'en ai honte. Je ne mérite pas la pitié que le ciel m'a offerte. Grand Khan, vous ne pouvez pas dormir non plus. Votre cheval vous manque ? Vous souvenez-vous, quand le cheval que vous aimez s'est enfui, j'ai eu peur de votre colère. Peur que vous pensiez que je n'ai pas tout fait pour le dompter correctement. Mais il a simplement répondu à l'appel de la nature. J'imagine qu'il galope chez lui dans les plaines. Quand nous sommes partis, nous n'étions pas encore adultes. Maintenant, j'ai de la barbe. Aujourd'hui, je voudrais fonder une famille. Ce soir, avec ce vent d'est, les chevaux devraient dormir la tête vers l'ouest. Mais ils dorment vers l'est. Même les animaux ont envie de rentrer chez eux. Surtout après de si longues années. Vous avez plus de 70 ans, et vous avez traversé maintes montagnes. Personne ne l'a jamais fait avant vous. Le Grand Khan le sait, et il vous en est reconnaissant. Et la voie que vous prenez, maître, est pleine de bon sens. Vos paroles
ému le grand Khan. Je le suis depuis des années. Et je comprends sa sagesse, son respect. Pour le ciel est éternel. Maître, il suffit de quelques mots pour que nous changions le cours de l'histoire. Le grand Khan a parlé. Cessez les tueries. 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 Le grand Khan arrive. Prépare du vin. Fais-le maintenant. Viens. Maître ! Maître ! Maître ! Maître ! Ça se dissout dans l'alcool. Sans goût. Sans odeur, ça l'endormira pour l'éternité. Ce vin est empoisonné. Qui es-tu pour oser m'empoisonner ? Prenez ça, ce sont les pilules d'immortalité, Grand Khan. Je suis venue avec la caravane. Zhao Dao me les a données. C'est le disciple du maître. C'est du poison. C'est du poison. Ne les prenez pas. Ne les prenez pas. J'espère que quand le Grand Khan sera mort, cesseront les tueries. Mon enfant. Arrêtez! C'est empoisonné. C'est du poison. Pourquoi veut-elle m'empoisonner? Grand Khan! Pardonnez ma femme, je vous en prie. Elle ne savait pas que je suis en vie. Elle n'a pas entendu que vous arrêtiez les tueries. Une pilule d'immortalité n'est pas c'est du poison. C'est une pilule d'immortalité, n'est-ce pas? Plutôt que de me tuer, elle va me rendre immortel, je me trompe? Elle doit le rendre immortel. Si vous ne me croyez pas... Si vous ne le croyez pas... Laissez-moi la boire, je vous le il prouverai. Il la boira pour vous le prouver. Quand je serai mort aussi. Quand il sera mort. Je vous demande... Il vous demande... De prendre pitié de ceux qui en réclament. D'avoir pitié de ceux qui vous le demandent. Grand Khan, nous sommes allés trop loin à l'ouest. Je n'irai pas plus loin. Quand je serai morte, ramenez ma dépouille dans les steppes de l'est. Faites une chose pour moi, grand saint. Elle vous demande. Donnez-lui aussi votre vie. De rester avec le grand Khan. Ah ! Rappelez-vous, grand Khan, que grand vous Khan. Avez obéi au ciel. Vous avez obéi en au faisant ciel. Arrêter les massacres de. En cessant les tueries. En sûr. Tu ne mourras pas. Je t'interdis de mourir. Père, elle nous a quittés. Le sang doit couler. Ce démon sème le malheur. Arrêtez-le. Shagatai, qu'est-ce qui te prend? Dégage. Hors de ma tu vue. Tu me désobéis, c'est ça? Le Grand Khan ne veut plus de ça. Tu oses désobéir aux ordres du Grand Khan? Grand Khan, prions. Priez, Grand Khan. Prions pour que je les il sauve. Il va essayer de les sauver. Le ciel a entendu vos ordres. Le ciel vous a entendu. Il a pitié de votre femme. Il sauvera femme. Votre femme. Écoutez le ciel, Grand Écoutez Khan. Le ciel, Grand Khan.
Ceux qui meurent sont morts. Personne ne revient à la vie. Grand Khan, si vous voulez y croire, alors tout est possible. Si vous croyez, tout est possible. Le ciel peut tout faire. Le ciel peut tout faire. Je peux les réveiller. Il peut les réveiller. Ainsi, une pierre peut devenir fleur. Mon père, annulez votre ordre et montrez-leur votre toute-puissance. Grand Khan, continuez à cesser les tueries et le ciel vous bénira, vous et votre bénira votre femme et vous-même. Quand ce bâton fleurira, votre femme se relèvera. Les Mongols chassent pour se nourrir. Comment faire sans tuer? J'ai le cœur qui saigne en y pensant. Écoutez, annulez votre ordre. Laissez-moi faire. Rasons la ville pour venger la mort de votre petit-fils. Ne laissez pas le monde vous croire faible, père. J'ai entendu le Créateur me parler, Grand Khan, et il m'a dit de rester avec mon mari. Laissez-moi la boire, je vous le prouverai. Après ma mort,
Je vous demande de prendre pitié de ceux qui en réclament. Grand Khan ! Votre créateur Tengri et mon seigneur du ciel ne sont qu'un seul ! Plus de massacres. Plus de massacres. Plus de massacres. Le Grand Khan a parlé ! Transmettez ses ordres ! Préparez-vous à rentrer ! Nous retournons à l'est ! Nous rentrons chez nous ! Transmettez les ordres ! Nous rentrons à l'est ! Préparez-vous à rentrer ! Nous rentrons à l'est ! Pitié de Tengri, le fils de Genghis Khan survécut à son infection. J'allais le chercher et le ramener à Marraine. Le grand Khan invita le saint à le suivre dans les steppes, mais... Maître ! Où êtes-vous ? Maître ! Maître ! Répondez, maître ! Où êtes-vous ? L'arbre fleurit, puis ses fleurs fanent. Aucun mortel n'est pauvre dans la naissance ni dans la mort. Le siècle de ma floraison et de mon déclin n'est plus qu'un rêve qui passe. Le bâton resta à sa place, et des racines et des branches lui poussèrent. On dit que des années plus tard, il devint un arbre imposant et immense.